DG Stéphane. Balamwange. Congo ya Lumumba, Congo. Ta fachi beton. Tangwe koki yo yo yo. Tangwango yango yo ye koki. Tolanda kango. Papa Stéphane, Balamwange. Oh yeah, yeah. Bien, merci. Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui auront l'occasion ya kolanda biso na nzela ya tango ekoki. Nous sommes à Kinshasa. Nous sommes encore très heureux ya kokuta na minomo kona lelo. Je suis monsieur Mara Bobola, je suis communicateur défenseur des intérêts de la République démocratique du Congo. Ça a été toujours un grand plaisir de pouvoir défendre les intérêts de la République démocratique du Congo, de pouvoir penser qu'un jour, le Congo puisse se développer. Nous devons sortir dans les gouffres de sous-développement, nous devons sortir dans les gouffres de la misère ou alors des inégalités sociales, nous devons quitter les niveaux où nous sommes pour atteindre ce qu'on appelle l'émergence économique, l'émergence sociale. Nous devons quitter la honte qu'on est en train de coller à notre République, mais également à nos dirigeants. Nous devons arriver à un niveau où le passeport congolais puisse avoir de la valeur dans n'importe quelle ambassade. Et il faut que les Congolais, qu'on puisse les respecter partout. Et Sengeli va respecter les Congolais partout. Et Sengeli Congolais place à Zokoma, va payer sa yé sika ya kuvanda. Et Sengeli va ta la Congolais, le kola va ta la américain. Et Sengeli va ta la Congolais, le kola va ta la un canadien. Dans l'ambassade, dans l'aéroport, bandeko basala kana ba report ba yebi ba valeur ya ambassade ya ba passeport na ba nationalité moto azo sala na report azo sala na machine ou bien na niveau ya comptoir obimisi passeport américain au PCA a rota la passeport atali na moto a PCA passeport obimisi passeport canadien au PCA a rota la passeport atali na moto a PCA mais si obimisi passeport congolais au PCA a rota la ngote. Et nous voulons que les Congo to koma na ba niveau wana. To lingi Congo to koma na ba niveau wana. Alors, esengo ezali makasi pamba te nzambe a pesi biso nzoto kolongo nou pona koya ko servi bino. Biso musala to pona ezali ya ko servi bino. Alors, ça passe ou ça casse. Nous avons deux sujets oyo to ko solana bino awa. Makambo etali constitution, chers compatriotes. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Chine, vous êtes au Canada, vous êtes en Belgique, en France, en Hollande, partout. Sachez-le que ceci vous concerne. Sachez-le que ceci vous concerne. Vous ne pouvez pas dire non, ma kamunabango ma constitution est à l'ibisote. Non! Non! Ceci vous concerne. Pourquoi je dis que ceci vous concerne? Une délégation de l'Union européenne accompagné de quelques membres de la présidence de l'Union africaine attendu au palais de la nation ou à l'OIA afin de rencontrer le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afin de discuter sur les questions liées soit au changement de la constitution soit à la révision constitutionnelle. Les Américains, Bazumi Kano, Balobi et Sengeli, Tokende Kokutana Tshisekedi, Tokende Kokutana Tshisekedi, Pona Koluka, Kotunaye Makanisnaye Zanini, Pona Makamboya changement ya constitution. Cette délégation, Basali koya mindele batiki Europe. Pourquoi lorsqu'il s'agit ya makambo etali République démocratique du Congo, mindele il faut ba ka kokota makambo na biso. Délégation ya Union européenne avec quelques membres ya comment on appelle ça? Ya état américain ou azali chargé des questions extérieures, na quelques délégations ya Union africaine. Ils sont entendus dans la ville province de Kinshasa pour na kokende kokutana Tshisekedi basolola pour la makambo etali constitution makambo etali révision ou changement. Lorsque Lumumba est mort dans ce pays,
les blancs, les européens, les américains étaient contents. Et quelques africains, parce que Lumumba dérangeait l'intérêt de Bango. Et au moment où le Congo est indépendant, on ne peut pas accepter que dans le jour d'aujourd'hui, que nous devons alors nous soumettre aux injonctions, notamment de l'homme blanc. Ça s'appelle en français le néocolonialisme. Le néocolonialisme aujourd'hui, c'est ce qui a poussé notamment aux Américains, aux Occidentaux, de dire à Kabila qu'il ne pouvait pas se représenter pour la troisième fois comme candidat président aux élections de 2018. Peut-être, peuple congolais à l'époque, Azala qui n'en a besoin, Kabila a continué à gérer Mboka. Peut-être peuple congolais, Azala qui n'en a besoin, Kabila a continué. Mais les Kamboya pas si les Européens, Mindele, Baebisi Kabila, comme Kata Kotia, le colonel Okunate. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, Nabiso, l'opposition congolaise déclare que Tshisekedi ne doit absolument pas toucher même un seul article de la constitution congolaise. Togo Sola Magambo Itali, déclaration commune, il y a opposition. Moutouna Mouna, il y a déclaration déjà, c'est Ramazan Shadari. Ah, ce pays, notre pays, le pays de Lumumba. À quand le renouvellement de la classe politique congolaise? Nous allons entrer dans les analyses. Nous allons détailler Bango Nyoso Moko Moko et tout ça la conclusion afin que Bino Moko bo jige. Les lois opposition basangani na éter diocésain. Basangani quelque part. Le cola Mindele basangana ka na 1885 pour la conférence de Berlin. Et aujourd'hui, l'opposition congolaise peut basangani pendant que ça la déclaration commune. Namoniwana Franklin Tshiamala, ou Azali secrétaire général ya LGD parti ya Matata Mponyo, Namoni secrétaire général ya parti ya Moïse Katumbi, Namoni Ramazan Shadari, ou Azali secrétaire permanent ya PPRD et puis membre ya Front commun pour le Congo, Namoni Devos Kitoko, secrétaire général ya SID. Donc Ezali lisanga ya ba secrétaire généraux bazako représenter ba couleur politique na bango nde ba sali déclaration commune. Ba yebi siti seke dit que ce n'est pas l'article 217 nde ezali ko sala eke bazo a portion mabele ba pesa lango ba rwandais. C'est plutôt l'article 214. Est-ce que nous avons un problème d'interprétation des articles ou nous avons un problème soit on nous donne une constitution qui va s'adapter aux réalités sociologiques et anthropologiques de la République démocratique du Congo, mais également des peuples congolais. On n'a pas besoin des interprétations ou des interprétations des articles l'un après l'autre. Donc voilà ce que dit l'article 1. Voilà ce que dit l'article 1er. Voilà ce que dit l'article 229. Voilà ce que dit l'article 198. Voilà ce que dit. Non! La démarche que le président de la République est en train de mener, c'est une démarche qui n'a rien à voir avec les interprétations des articles de disposition constitutionnelle. Le président de la République a lancé ce qu'on appelle une démarche afin de remettre ce qu'on appelle la souveraineté congolaise. L'intégrité territoriale doit être respectée. Et aucun millimètre, aucun mètre carré ne peut donc être cédé à nos voisins pour la promotion du panafricanisme, comme elle le dit l'article 217. Mais l'opposition congolaise, Bazaliko, Koyebi Satiseke, dit que ce n'est pas l'article 217 dont vous faites allusion. Si de céder les terres, c'est plutôt l'article 214. Et c'est qui est en train de lire la déclaration Ramazan Shadari. Il fut ministre de l'Intérieur.
qu'est-ce qui a été comme les réalisations de Ramazan Shadary lors de son passage à la tête du ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, le PPRD en souffre même en ce qui concerne les stratagèmes afin de barrer la route à celui qu'on appelle Tshisekedi. Parce que nous avons connu un secrétaire général de l'opposition à l'époque, Jean-Marc Kabunda Kabound. Là où il est à la prison, je suis en train de lui saluer. C'est un brave combattant. D'ailleurs, Étienne Tshisekedi l'a appelé héros vivant. Qui suis-je, moi, Mara Bobola? Qui suis-je d'ignorer le combat de Kabunda Kabound? Kabunda fait la preuve de la maturité politique de l'opposition. Kabunda fait la preuve de démontrer à la face du monde que, réellement, j'étais un héros vivant. Ce n'est pas pour rien Tshisekedi, le père, les sphinx de l'imité, les charismatiques, les leaders Maxime, m'avaient appelé l'héros vivant. Aujourd'hui, Shadary, qui est le secrétaire permanent du PPRD, quelle est l'initiative que Shadary est en train de prendre? Kabound a géré le parti à l'absence de notre leader Maxime. Et Kabound a mené le parti au niveau de la magistrature suprême. Ceci voudrait même dire que le parti de Kabound peut aujourd'hui aussi arriver au niveau de la magistrature suprême. Parce qu'il a cette onction. Il a ce marasme. Aujourd'hui, Shadary est en train de faire une déclaration afin de s'opposer à la démarche de Tshisekedi. On ferme cette parenthèse. Tozongi na mokonza na biso ya liboso. Yo tuninga mokonza ngo lingi so lobanini. Non. Mokonza, c'est le sujet en français. Hein? Sujet na biso. Na lingala ya solo balobaka. Mokonza na biso. Voilà. Singelwe baka lingala, c'est très important. Chers compatriotes, dès lors que nous sommes accédés à l'indépendance, la République démocratique du Congo, tant que nous avons l'indépendance, est-ce que les Congo sont prêts pour nous couper sa indépendance, pour nous causer l'indépendance? Les uns disent non, d'autres disent oui. Ceux qui disent non, non, nous sommes prêts, nous sommes licenciés, nous sommes ingénieurs, nous sommes ba photographe bazala ki te ba nettoyer ba route bazala ki te ba technologique ba ingénieur bazala ki te ba agronome bazala ki te ba pilote bazala ki te, bref, les acteurs politiques majeurs pouvant transformer les problèmes de notre pays, ba pe sa solution ba désidérata peuple bazala ki te. Mais malgré ça, Lumumba andimi kokufa pona ekolo. Et puisque nous parlons de l'émérite Patrice Lumumba, une information de taille, une précision bien calculée, bien posée. La dent de Lumumba n'a pas été volée. D'après les communiqués de la famille, j'ai suivi ça dans une chaîne internationale que je ne vais pas citer le nom pour ne pas faire la promotion de cette chaîne. La famille a dit ceci. Puisque Lumumba, sa dent a été exposée là où le président de la République avec le gouvernement à l'époque de Samalou Kondé avait décidé que sa dent puisse être résidée au niveau de l'échangeur, la famille s'inquiétait déjà de sa disparition. Parce qu'il y avait un marché chinois, il y avait un sujet chinois qui avait proposé plus ou moins 10 millions de dollars. 10 à 12 millions de dollars à la dent de Lumumba. Et c'est comme ça que la famille s'était réunie avec le conseil de la famille afin de pouvoir notamment prendre des décisions et aller prendre cette dent et l'amener dans un endroit où il y avait la sécurité. Bino peba chinois. Bozozwa mina Lumumba bokende nango wapi. Peut-être sur le plan touristique. Parce que mina Lumumba ninge vanda ki wana. On pèse seulement Koko Tsambong on a mis dans Lumumba. Moutoya talia bien, on a mis dans Lumumba. Ah ok, Lumumba koufaka pona ekolo nde yo. Ah, héros nabiso ya marti. Ah ok. Abimia kei. Mbongo zo kota. Ça c'était une précision de taille. Donc, mis dans Lumumba, ba yiba ki yangote. Ceux qui ont critiqué la sécurité du pays, non voilà, Tshisekedi n'arrive même pas à protéger la dent d'un euro vivant, mais comment il doit se protéger, il doit se précipiter seulement pour annoncer le changement de la constitution.
Comment lui il veut changer la condition alors que même la dent est neurovivant. Aïbi qui protège la valeur de la montagne. Non, la dent de Lumumba n'a pas été volée. C'est la famille qui avait déplacé cette dent pour la mener dans un endroit où il y avait la sécurité. Parce qu'il y avait un sujet chinois qui avait proposé de l'argent. Et vous savez, les Congolais, déjà, Ayoki qui est mis, n'a pas mis la valeur, il y a 10 millions de dollars ou 12 millions. Même 5 millions, même 500 000 dollars, même 20 000 dollars, Aza capable de ouïba minona qui a te kiang. Tokani parenthèse ouana. Chers compatriotes, les Congos, nous sommes indépendants. Indépendance, ça veut dire ce ne sont pas les Américains, ne bakoya, pour na koye, ça veut dire que nous sommes indépendants. Ce ne sont pas les Européens, ne bakoya koye, ça veut dire que les Congos, nous sommes indépendants. Ce ne sont pas des Rwandais, ni les Ougandais, ni les Angolais, mais ils ont biso moko. Après que Lumumba kufi pour la mboka, bakangi ba okito, bakangi ba baimbo, ba bakanza ba kufi, ba noirita nengapeta, ba kipanvita, tous ces gens-là, ba kimbangu, ce sont les gens qui ont donné leur vie pour le lo oyotos à la indépendant. Mais regarde le président Tshisekedi. Est-ce que le fait d'annoncer, le fait de faire l'annonce sur le changement constitutionnel, est-ce que Ezali Lissoumou? Quelqu'un peut me dire, peut me rappeler une disposition constitutionnelle qui veut dire que lorsque le chef de l'État veut changer la constitution, il est en train de violer la constitution. Max KBC, est-ce qu'il y a une disposition à là dans ce sens? Est-ce que Stéphane Balamwangi a connu qu'on peut s'habiller sur disposition mon corps? Déjà Stéphane Balamwangi, est-ce que vous pouvez nous donner une disposition dans la constitution ou le bien que une constitution dès lors que Ozu Makanisi yako bongo la yango alors yo salimbeba. Et si ce n'est que le cas, ça veut dire que Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, Joseph Désiré Mobutu, Kasavubu, Basala Masumu. Parce que la constitution que nous utilisons, c'est la 5e constitution. En commençant de 64-67, nous avons eu au moins 2 constitutions. Constitution à 64, constitution à Lulwabou, constitution à 97, constitution à 98 et avec l'actuelle constitution. Nous avons connu au moins 5 différentes constitutions. Mais quelle est la constitution Oyo ezali ko bala na penza na makanisi ya peuple congolais? Une constitution dans laquelle on vous dit non au nom de la promotion du panafricanisme ou de souveraineté africaine. Pour la préserver, vous êtes censé de conclure les accords afin de céder au moins 300 km² à l'un des pays voisins. Ça veut dire que la disposition l'article 217 de notre constitution, ce n'est rien d'autre que l'interprétation ou la ramification de l'article 4 de l'accord de l'Emera. Que Mouzé et ses bandits du M23, non, et ses bandits de l'AFDEL ont y a signé avant qu'ils puissent venir en République démocratique du Congo. Est-ce que je me fais comprendre? Mais une délégation des Américains, une délégation des Européens, ils sont attendus na niveau ya Oya. On a connu Tshisekedi que Komeka Kosimba constitution T. Mindele bazakoya peuple congolais, ozana États-Unis, ozana Amérique, ozali na Bangladesh, ozali na Afrique du Sud, ozana Maroc. Maman Mélanie na niveau ya Canada. Maman na biso parfaite paille. Voilà alors les Congolais, les Mindele Oto benga kaba noko ba mbunzu. Bazoya kokuta na Tshisekedi. Babi sa ke papa. Oningo sani. Oningo changer constitution. Est-ce que parmi les sciences interdisciplinaires, est-ce que parmi les domaines interdisciplinaires, est-ce que nous avons eu les politiciens français? Est-ce que nous avons eu les politiciens belges? Est-ce que nous avons eu les agronomes anglais? Est-ce que nous avons eu les environnementalistes américains? Baya kokota pour pesa pe makanisa mango pona kotia ngona kata mobeko likonzi
délégation ya Union africaine, Union européenne, na États-Unis, bazoya kokuta na tisike di cher compatriote, pona koyebisa na eke, ameka ko simba mobe koli kozite. Mais moi je me demande, so keza ke délégation oyo, baza koya kokuta na chef de l'État. Est-ce que ça ne sera pas une violation, il y a principe, il y a souveraineté. Il y a principe, il y a intangibilité socio-culturelle. Les Congos, nous sommes indépendants. Notre indépendance ne peut donc être remise en cause au nom de la démarche que le président de la République veut mener afin de donner le peuple congolais un nouvel instrument constitutionnel. Non, mais on ne peut pas comprendre. La constitution que nous avons, c'est une constitution de belligérants. Une constitution, comme le professeur Tshilumbay, Jean-Paul l'a dit, a été conçue, a été écrite, Rachinikolov à main, mais également ce qu'on appelle la machette à main. Chers compatriotes, nous sommes sans ignorer que Tokoki Kotambu Sambo Kanabiso Kaka Soki Tozuni Beko Yamalam. Mais Mibeko Yamalamu Toko Zoyango Wapi. Mibeko Yamalamu Toko Zoyango Nakata Mubeko Likonzi. Professeur Tshilumbay a raison. Basali constitution Nabiso Mbeli na Maboko. Na Mundouki. Nde bazo pe sa dicté. Papa Komabo. Article 217. Mettez ça. Oui, ça veut dire quoi? Dans l'article 217, nous allons dire ceci. Au nom de la souveraineté africaine. Au nom de la souveraineté africaine, le Congo a l'obligation de céder ses terres pour la promotion du panafricanisme. Mettez ça là-bas. Et il y a les revolvers à main. Et il y a la machette de l'autre côté. Et celui qui est en train de rédiger la constitution a peur des larmes, de la mort et de la machette. On lui dit, mettez l'article 51. Le gouvernement est censé de protéger les groupes vulnérables, les groupes minoritaires. Et quels sont ces groupes minoritaires? Dans le Google, lorsque vous faites les recherches sur le groupe minoritaire, on ne vous dira jamais que ce sont les Banyamulenge, ce sont les Tutsi, ce sont les Hutu. Non. On ne vous dira jamais que ce sont les Pygmées. Non. Parce qu'au Congo, un groupe qui peut être vulnérable dans notre pays, ou une ethnie qui peut être minoritaire, mais ce sont les Pygmées. Les Congo, nous n'avons jamais eu ce qu'on appelle une communauté Tutsi. Ça n'existe pas. Mais les Pygmées au Congo, ils sont dans leur forêt. D'ailleurs, leur vie qu'ils mènent à la forêt là-bas, c'est une vie heureuse. Ils ont du mal à vivre dans les milieux urbains là où nous sommes. Lorsqu'un Pygmée quitte la forêt équatoriale et il vient vivre à Kinshasa, il n'est plus un Pygmée. Il devient un Bantou. Parce qu'il a quitté son groupe minoritaire, il s'est rendu à Kinshasa. Et ce n'est pas fini. Il y a l'arme à la main. Il y a les pistolets et il y a la machette. Et on nous dit, mettez l'article 4. L'article 4 qui prévoit quoi? Les démembrements. Les nouvelles entités territoriales et provinciales. Et on va créer cet article 4. Et c'est comme ça, vous allez voir qu'au finish, on a verrouillé la liberté et les droits des citoyens. Mais également, on a remis en cause ce qu'on appelle la souveraineté nationale. Délégation Oya Mindele Bazo Koninga Koya. Bokoyo Kabakoye Bisatiseke dit Kosi Mamoube Koli Kozite, Kosa la troisième mandat, Sa la deux mandats na yo kende. Cette constitution Togota Lango Plita, Soko Meyi Kosi Mango Komona. Nga Ifo na Kota Nano, Nambo Zindo na Yeba. Est-ce que délégation à l'Union africaine, délégation à l'Union européenne, wana? Est-ce que ça lit délégation à Solo Penza, les Occidentaux,
les sièges de l'Union africaine et de l'Union européenne, na le département d'État américain chargé des questions extérieures, nde ba tidi bango. Est-ce que ezali evre ya ba Katumbi na ba Kabila te? Parce que bango baza capable. Ba koki kokende, ba lesi ba twana kayaka. Boke no yebi statistique di a mekosi ba constitution te. Na na ebisu no ke mindele ba na posa mbongo te. Les mindele ont besoin d'argent. Mais pourquoi ces gens-là viennent ici en Afrique? Ils sont dans nos provinces, ils sont dans les avions, ils sont partout, dans des mines, partout. Non, les mindele viennent aussi pour chercher l'argent. Et lorsque Kabila met quelque chose dans l'enveloppe, accompagné de Katumbi, Naba Mukwege, Naba Fayulu, Ba Tembongo, Ba Kei, Ba Pesi mindele wana. Ba yebi si bango, boti na délégation na Kinshasa, ba yebi sa tisekedi asi ma constitution te. Vous pensez au salamate? Ça va se faire? Le peuple congolais est souverain. La souveraineté de notre peuple, personne ne peut la remettre en cause. Voilà pourquoi le chef de l'État l'a dit. Je suis le garant de la nation. Je suis le garant du bon fonctionnement des institutions de l'État. Si je veux faire quelque chose, qui est celui-là qui peut m'empêcher? Le président ne l'a pas dit pour, au fait, dans un sens orgueilleux. Je n'ai pas vu le chef de l'État avec un sens arrogant. Je n'ai pas vu le chef de l'État avec un esprit d'un orgueilleux. Lorsqu'il a dit que lui, il est le garant de la nation et s'il veut faire quelque chose pour le bon fonctionnement des institutions de l'État, personne ne peut l'empêcher. Le président ne l'a pas dit pour se moquer de l'opposition. Le président ne l'a pas dit parce qu'il a les pouvoirs, il a les services de sécurité, il a les services de renseignement, il a l'argent, il a la signature, il est le président de la République. Non. Le président l'a dit parce qu'il a la responsabilité du peuple congolais. Le président Ali l'a dit parce qu'il a la responsabilité d'assurer le bon fonctionnement des institutions. Et quand on parle des institutions, on ne parle pas d'une institution président de la République. On parle des institutions. En commençant par la première institution à la dernière, qui est les cours et tribunaux. Voilà une délégation de l'Union africaine, une délégation de l'Union européenne veut rencontrer Tshisekedi afin de lui dire de ne pas toucher la Constitution. Chers compatriotes, est-ce que c'est un problème des Américains? Le problème de la révision de notre pays. Est-ce que c'est un problème des Américains? Est-ce que c'est un problème des Européens? Et Taliban, ce qui est un problème, pour la magamotali révision ou changement de la constitution, tokubomana. Parce que là, il y a des camps qui se créent maintenant. Le chef de l'État, Azalaki na Lubumbashi, nous avons tous suivi les choix, comment Baza Koloba. Et Tolingi, nouvelle constitution Tolingi, changement de constitution. C'est comme ça que le peuple du Katanga, le peuple congolais dans cette province du pays, dans l'ex province du Katanga, scandale auprès du chef de l'État. Au sein de l'Union sacrée de la nation, jusque-là, personne ne s'est prononcé. Quelqu'un m'a appelé et m'a dit, Marabobo là, mais toi tu es quand même communicateur de l'Union sacrée. Tu es communicateur de l'UDPS. Tu es celui qui est suivi. Mais pourquoi vous ne voulez pas nous donner les informations quant au silence du membre du présidium de l'Union sacrée de la nation, quant à la démarche qui a été annoncé par le chef de l'État. Yo, qu'est-ce qu'on a empêché Sabino précision? Le professeur Modeste Batilukobo, le deuxième vice-président du Sénat de l'actuelle législature en cours, n'a jamais tenu une déclaration allant dans le sens de s'opposer
à la vision du chef de l'État. Je dis bien, l'autorité morale de l'AFDC et alliés n'a jamais tenu des propos allant dans le sens de dire non à la démarche qui a été annoncée et d'ailleurs qui est comme un cheval de bataille pour le chef de l'État de changer ou de réviser la Constitution. Vous avez pris une déclaration, une interview qui a été accordée au professeur Modeste Bahati-Lukobo, le deuxième vice-président du Sénat de l'actuelle législature en cours, l'autorité morale de l'AFDC et alliés, vous avez balancé ça sur les réseaux sociaux. Mais nous faisons la preuve de l'immaturité communicationnelle. Vous êtes quel genre de journaliste? Vous profitez avec des interviews d'un autre sujet et pour les ramener à un sujet qui vous intéresse, vous, afin de pouvoir donner une interprétation que Modeste Bahati-Lukobo est contre le changement de la Constitution. Mais je vais apporter une précision de taille, chers compatriotes. Vous nous suivez de partout. Le professeur Modeste Bahati-Lukobo, il est d'abord l'autorité morale de l'AFDC et alliés. Ça, c'est la première des choses. Son parti politique est membre de l'Union sacrée de la nation, une vision claire et déterminée du président de la République de pacifier l'Est de la République démocratique du Congo, mais également de combattre les inégalités sociales. Deuxième des choses. Troisième des choses, il est membre jusqu'à présent. Il n'a pas encore renoncé à sa position au sein de l'Union sacrée de la nation. Il a dit qu'il est membre du président de l'Union sacrée de la nation. Et dans ce sens, lorsque nous avons une autorité de l'Union sacrée de la nation, qui est le chef de l'État, qui est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et que tout le monde au sein de l'Union sacrée de la nation, les présidents des regroupements politiques, en commençant par les membres du président, les présidents des regroupements politiques, les présidents des partis politiques, les présidents des mouvements formels et informels, les communicateurs, personne jusque-là ne s'est opposé. Je dis bien, personne jusque-là ne s'est opposé à la démarche que le chef de l'État est en train de mener pour pouvoir donner un nouvel instrument constitutionnel à la République démocratique du Congo. Le professeur Modeste Bahati-Lukobo n'a jamais dit qu'il est contre le changement de la Constitution ou il est contre la révision constitutionnelle. D'ailleurs, hier, je vous ai dit qu'il y a une Asbel qui avait recruté plus de 100 000 signatures, dont ces signatures seraient bloquées au niveau de l'Assemblée nationale, auprès du président de l'Assemblée nationale, le président Vital Kamerhe, d'après les informations que nous avons reçues. Mais pourquoi vous laissez celui qui bloque la démarche, mais vous venez auprès de celui qui n'a jamais donné à lui-même sa position par rapport à l'actuelle question, mais vous venez alors brandir avec des images tous les sorciers de tout bord, les démons qui sont venus de 10e dimension, afin, comme ils ont entendu que c'est bâti, ils sont descendus pour pouvoir attaquer à cet homme qui a plein de confiance et plein de loyauté envers le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi du Tshilombo. Le professeur Modeste Bahati-Lukobo reste intransigeant et il garde toujours sa même couleur d'être membre du président de l'Union sacrée et sa formation politique, l'AFDC allié, sont aussi également au sein de l'Union sacrée de la nation. Lorsque le professeur Modeste Bahati-Lukobo a dit que les Congos, nous avons un problème d'hommes, nous n'avons pas un problème de texte. C'était par rapport aux résolutions et à la fin des travaux des États généraux sur la justice. Parce qu'il y a eu des recommandations qui ont été faites. Il y a eu également des exigences qui ont été faites. Mais aujourd'hui, le professeur Modeste Bahati-Lukobo a fait ce qu'on appelle une interview et il a donné son point de vue que le Congo n'a pas les problèmes de texte. Les textes sont là. Mais nous avons plutôt le problème d'hommes qui doivent faire respecter ces textes dont eux-mêmes ont accouché. Mais il n'a pas tort.
Mais maintenant, comment vous allez prendre cette partie pour dire non, voilà, le professeur Modeste Batulikobo, il est contre le changement de la Constitution parce que le président de la République pense que les textes ou alors les articles qui sont au sein de notre Constitution sont en train de bloquer la marche du pays et de combattre les inégalités sociales et empêcher l'émergence ou alors le développement de notre pays. Voilà, nous pensons que ça, ce sont des raccordements fraudulés, ce sont des gens qui sont en perte de vitesse et c'est un coup de paix dans l'eau contre le professeur Modeste Batulikobo qui reste membre permanent et son parti politique et allié AFDC au sein de l'Union sacrée de la nation. Il reste parmi le membre du présidium intègre et loyal vis-à-vis du président de la République et nous pensons que nous allons revenir parce que le bien du président de la République, c'est le bien de l'Union sacrée de la nation. Et lorsque nous allons avoir une nouvelle constitution que le président va donner au peuple congolais et à la République démocratique du Congo, ça sera aussi une constitution que le professeur Modeste Batulikobo va en profiter. Alors, ne profitons pas pour salir les images de ceux qui sont fidèles et loyaux auprès du chef de l'État. Chers compatriotes, Tosa Kokende, Pona Koluka, Kouchite, na communication na biso. Au bon temps, on va dire Mbinzo Akoya Kanan Zete Oyoyo Abimeli Ezala Pambate. Opposition congolaise Naibite, opposition congolaise, comme le chef de l'État l'a dit, l'opposition aujourd'hui a du mal à proposer au chef de l'État proposition, excusez-moi pour la tautologie, afin que le président a appliqué à Ngopembo Kekende Malam. Ça, c'est ce que le chef de l'État a dit. Opposition à sali déclaration commune. Yamagambo et tali changement à la constitution. Bango va l'oublier que article 217, comme le chef de l'État, Aza Koloba, ça n'a rien à voir dans ma Kambo et tali que cédé Mabele Nabiso pour promouvoir l'unité africaine ou le panafricanisme. Et ce n'est pas la constitution des ont empêché Tshisekedi en tant que chef de l'État pour améliorer social et peuple congolais. Il y a des gens qui ont été enseignants, il y a des militaires, des policiers, des médecins, des fonctionnaires de l'État. Ça, c'est d'après la déclaration de Ramazan Shadari. Mes chers compatriotes, nous pensons qu'il est important d'avoir une opposition intelligente, d'avoir une opposition républicaine, d'avoir une opposition patriotique. Mais est-ce que notre opposition, c'est une opposition républicaine? Moi, je dis non. Pourquoi je dis non? L'opposition congolaise se range ou s'inscrive ou s'inscrite, si vous voulez bien, dans une démarche de voir que le président puisse échouer. Et lorsque le président va échouer, que le peuple maintenant puisse lui donner la raison. Que voilà, le président ne fait absolument rien. Et maintenant, c'est l'opposition qui doit prendre le pouvoir. L'opposition congolaise s'inscrute dans une démarche de voir que Tshisekedi ne puisse pas réussir son mandat ou alors ses mandats à la tête de la République démocratique du Congo. L'opposition congolaise souhaite que la guerre dans l'Est ne puisse pas finir. L'opposition congolaise souhaite que les routes puissent être toujours dans cet état de délabrement. L'opposition congolaise pense que et souhaite que le peuple puisse toujours se pleurnicher auprès du chef de l'État afin qu'elle puisse réclamer des revenus au pouvoir. L'opposition congolaise pense que la diplomatie du chef de l'État ne pousse pas à être une diplomatie agissante afin que l'opposition puisse revenir au pouvoir. Je vous ai dit ici, les PPRD avaient quitté le pouvoir, mais les PPRD n'ont jamais abandonné le pouvoir. Landa déclaration à opposition. Donc, comprendre que, Batu Oyo, Bazaki n'a besoin de quoi abandonner le pouvoir. Tout continue d'analyse. Tout allé dans Moto Babengi opposant Martin Fayulu. Martin Fayulu, c'est vrai, il a été celui qu'on appelle le soldat du peuple. 2006, 2011.
face à une élection à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Martin Fayulu devait voter à Dabombole parce qu'il était le seul député indépendant. Et que sa voix allait profiter à un seul gouverneur à Rokoma, gouverneur à ville. Martin Fayulu avait fait le choix. Il a voté Nani, il a voté Panginamounou à l'époque. Martin Fayulu a évolué. À un moment donné, Martin Fayulu a pris sa couleur à Kozala. Élève à l'école, il y a Tisséke Dissouba. Oh, il y a l'école, il y a Marabobo là. To koli na kati. Eh. Il y a l'école, il y a koli na kati. Il y a liberté d'expression, il y a droit à manifestation, il y a droit à penser, il y a droit à existence, il y a que combattre l'antivalère, il y a que combattre les inégalités, il y a que combattre l'injustice. C'est l'école que nous, Marabobo, la Toza Kokola Nakati. École, il y a IDPS. Martin Fayulu a bungisi quand même Orawana. Tokéine à Genève, Baponi est comme un candidat commun de l'opposition. Ayawa, Fayulu a bini, kara titi, maramampe, la labon. Tu as une élection en 2023. Tu as une élection. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, Fayulu avait accepté d'aller aux élections sans les membres de son parti politique. Et il était le seul candidat. Et on lui posa même la question. Si aujourd'hui vous gagnez le pouvoir et que vous n'avez pas de députés à l'Assemblée nationale, vous n'avez pas une majorité, que feriez-vous? Il avait dit qu'il aura une formule, il aura un schéma qui va lui permettre de collaborer avec la majorité qui sera en place. De faire ce qu'on appelle la coalition. Coalition tout cela FCC caché sous Kaiwap. Libala na binomo bo yebi e bandana na commune et kenda sous na cimetière. Mukwege, oui, Mukwege, mais à un moment donné, je vois le docteur, il est plus médecin. Le docteur est plus médecin qu'il doit un peu analyser les choses, mon gars batala ba malade hein. Koutala, Zobela Nini, a diagnostiqué tout ça. Alors que l'opposition en Afrique est à bon côté. Otié Totié. Olali Tolambeli. Otié Libaya Tolandeli. Et ça bon. Encore qui? Shadari. Shadari représente Kabila. Botika Kabila vanda Kimia. Kabila, Botika Kabila vanda Kimia. Kabila gozon a l'issue à Bokozite. Kabila, Zosala va faire na ye a otam ou moto Botika ya vanda Kimia. Shadari, ministre à l'intérieur. Qu'est-ce que Shadari a fait? Qu'est-ce que Shadari a fait à son époque? Surtout qu'il y a un ministère intérieur, tout à l'heure, passage à Shadari. Combien de réformes? Ou à Initiaki? Combien de décisions? À son époque, insécurité, ça l'a quitté. Guerre à Est, ça l'a quitté. Bah, et Tini, Nabiso Vanaï Kimia. Mais le dossier de Kamouna Sapo, c'est à l'époque de Shadari. Tant que tu as un coup, tu as un coup, na kasai central, kasai oriental. Mais c'est Shadari qui était ministre de l'Intérieur à l'époque. Kamouna Sapo, c'est un dossier. D'ailleurs, le DG Nabiso Stéphane Balamanga, le Bagayeke, c'est ce qu'on appelle le génocide à l'époque de Kabila. Baboma Batu, Bakunda Batu. Et c'est Shadari qui était ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, Shadari a sa déclaration. Qu'est-ce qu'il dit? Aïe Bakaye qui a changé la constitution, de couper sa solution, il y a peuple congolais. Alors qu'il était ministre de l'Intérieur. Et à l'époque, parmi les réformes Shadari à Salaki, c'était d'aller tuer les gens au niveau de la province, il y a Kassai Oriental. Tout y a une histoire, il y a politique, il y a Moka Nabiso. Nani su Delice Sanga. Delice Sanga, oui, un ancien rebelle. Aujourd'hui, il est à l'opposition. Mais je pense qu'il est, allé un peu vite à Bezon. Parce que le président de la République avait annoncé le changement de la constitution à Kisangani et à Lubumbashi, il a dit que ça sera soit le changement de la constitution et la révision. En attendant qu'on puisse mettre en place une commission. Mais jusque-là, on n'a pas commis une commission en place. Mais pourquoi l'opposition s'agite? C'est Sanga a aligné les gens à sa limarche, Bakangi et après Balibéré. Nani Moussous, opposant Moussous Nani, Katumbi, celui-là c'est un exilé politique. Encore qui? Kabila, c'est un rebelle. Il est en train de préparer l'insurrection. Lui là, c'est égal à Nanga. Nanga est égal à Kabila. Kabila est égal à Kagame. Kagame est égal à multinationales. Et les multinationales, c'est le pillage des ressources de la République démocratique du Congo. Vous avez compris le schéma? Kabila est égal à Kagame. Kagame est égal à les multinationales. Non, nous avons mal compris.
je commence ici. Je commence avec ce schéma ici. Pour comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Nanga est égal à FC. Et FC est égal à Kabila. Kabila est égal à Nanga. Nanga est égal à rébellion. Kabila est égal à Kagame. Kagame est égal à les multinationales. Les multinationales est égal à le pillage de nos ressources de la République démocratique du Congo. Et les multinationales, c'est le complot contre nos minéraux. Bref, Kabila est égal à l'axe du mal avec Nanga. Et Kabila est égal au complot contre la République démocratique du Congo. Je l'ai toujours dit aux membres du PPRD, bah au bas à côté les mais la volonté à chef de l'État de pouvoir changer la constitution. Vous êtes censé soit de pouvoir regarder comment nous allons donner le Congo une nouvelle constitution avec une constitution qui va s'adapter aux réalités de la République démocratique du Congo avec une nouvelle constitution. Soit vous êtes censé de rejoindre qui? Mais c'est Nanga la rébellion. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer, Jean-Pierre? Est-ce que je peux avancer, Jean-Pierre? Bah, ça, les déclarations. Bah, Télémélite, c'est ce qu'elle dit. A changé constitution. est-ce que Chadari a eu un jour à cause ça la déclaration pour défendre la constitution? est-ce que Chadari a eu un jour à cause ça la déclaration pour défendre la constitution? Oh, biso IDPS, tu vas aller défendre en 2015. Tant que tu veux défendre la constitution, bah, il s'abissonne. Ah, bah, n'a évité. Le loyo, c'est le tour de Chadari. C'est le tour de Chadari. Le peuple n'est pas dupe. Le peuple a toujours raison. Le peuple n'est pas dupe, le peuple a toujours raison. Et le peuple congolais veut que les chefs de l'État puissent quitter le pouvoir en donnant une nouvelle constitution. Le peuple congolais ne juge que Tshisekedi ne peut pas quitter le pouvoir si et seulement s'il n'a pas donné une nouvelle constitution. On nous dit non, est-ce que c'est la constitution qui empêche Tshisekedi de construire des routes? Est-ce que c'est la constitution qui empêche Tshisekedi d'améliorer les conditions sociales de notre peuple? Est-ce que c'est la constitution qui empêche Tshisekedi de finir avec la guerre dans l'Est? Je vais vous répondre ceci. Toutes les réponses aux questions sociaux et économiques de notre pays trouvent leur place dans la constitution. Nous avons pris beaucoup de pouvoirs. Nous avons donné ça à nos différentes institutions. Et on a fait ce qu'on appelle la séparation du pouvoir. Mais nous avons oublié que les peuples voient toujours qui? Les présidents de la République. Lorsque les présidents passent, mais qu'est-ce que dit le peuple? Fatita el abisoli kamboyo. Fatita el abisoli kamboyo. Au Gabon, on a révisé la constitution. Les présidents gabonais, Oligui, il a changé la constitution. Il a révisé la constitution. Il a supprimé les postes de premier ministre. Il s'est donné le pouvoir de dissoudre les institutions, notamment l'Assemblée nationale et le Sénat. Il est passé de toutes les élections de deuxième tour à un seul tour. Et il a dit que pour être candidat président de la République, vous êtes censé être gabonais de père et de mère avec votre épouse. Est-ce que le Gabon est disparu? Non, le Gabon n'est pas disparu. Avec le changement de la constitution, il aura un matin, il aura un midi, il aura un soir. Le fleuve Congo ne va pas disparaître.
La forêt équatoriale ne va jamais se retrouver au niveau du Cameroun. Et la troposphère, la stratosphère, la mésosphère resteront toujours à leur place. Toutes les couches planétaires ne vont jamais se déplacer quant à la question du changement de la constitution. Et le peuple congolais veut à tout prix que Tshisekedi ne peut pas quitter le pouvoir si et seulement si il n'a pas donné à notre pays une nouvelle constitution. Je pense que nous avons compris notre communication du jour. Nous avons commencé par la délégation de l'Union africaine, de l'Union européenne et quelques des États-Unis d'Amérique qui sont annoncés dans les prochains jours de venir voir Tshisekedi afin de le dire de ne pas toucher la constitution. Et nous avons chuté avec cette question de la déclaration commune de l'opposition. Face à cette opposition, je ne vois pas Tshisekedi reculer. Face à cette opposition, une opposition muselée, une opposition divisée, une opposition qui en perte de vitesse, une opposition qui n'initie pas les initiatives afin de pousser Tshisekedi, de faire une marche en arrière, une opposition dont chaque personne tire les draps de son côté. Déjà, le FCC s'est déjà retrouvé avec deux camps. Le camp Chadari avec le camp Nehemi. C'est déjà ça la division. Une opposition où Deli Sanga, lui-même, il est dans la rue et il est arrêté tout seul. Il a été amené mal militaire et personne n'est venu intervenir. Je vois son secrétaire général faire des déclarations là-bas. Mais votre président a été arrêté là-bas. Vous, le secrétaire général, vous étiez où? Mon cher, vous étiez où? Cette opposition, je ne vois pas Tshisekedi reculer dans cette démarche de changer la constitution face à cette opposition. Une opposition divisée, une opposition faible, une opposition par manque de monter les stratégies afin de mobiliser les peuples, afin de barrer la route à Tshisekedi. Non, nous devons remercier les leaders Maxime. Etienne Tshisekedi a fait un travail de grandiose. Etienne Tshisekedi, là où il est, paix à son âme. Il nous a formés. Moi, Mara Bobo, là, je suis le seul. Je peux paralyser la ville de Kinshasa. Je suis capable de paralyser et d'accepter. Voilà pourquoi je rends un vibrant hommage. Je rends un vibrant hommage à l'unique opposant qui peut bousculer ce régime. C'est celui qu'on appelle Jean-Marc Kabunda Kabound. Mais il ne le fera pas. Parce que, entre Mara Bobola et Kabound, nous avons ce qu'on appelle les liens politiques. Kabound est formé à l'IDPS. Moi, je suis formé à l'IDPS. Les seuls opposants qui peut dire à Tshisekedi et faire peur à Tshisekedi, c'est Jean-Marc Kabunda Kabound. Mais ce n'est pas cette opposition de Fayoulou, de Mukwege, de Chadari. Chadari apprend d'abord même l'opposition. Il ne sait pas comment on marche. Parce qu'il a quitté l'IDPS il y a longtemps. Kabound est en prison. On n'a jamais attendu. Il a des maux de tête. Il est souffrant. Il est malade. Il doit aller prendre les soins de santé à l'étranger. Non. Par contre, il est en train de prendre la taille, la forme. C'est ça, être leader. C'est ça, assumer la responsabilité de son combat politique. Voilà. Namoni, Mukona Lelo, to zokene presque na suka. Sombele, suka bisanga, bolobo, suka ya ingbele. Et nous pensons que nous allons revenir à très bientôt. Merci et au revoir.